Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on est de retour pour défier à nouveau Akinator. Et oui, puisque la dernière vidéo vous avait beaucoup plu, et moi j'avais encore des gens à qui je pouvais faire deviner, tu vois. Donc je me suis dit, on va se tenter encore de voir si Akinator, il y a moyen de le piéger, s'il y a moyen de le choper, tu vois, entre quatre yeux, d'arriver à le faire parler, à le faire avouer qu'il ne sait pas tout. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 5 youtubeurs. 5 youtubeurs, on va faire évidemment, qui seront affichés. Il y a des connus, il y a des très peu connus, il y a des récents, il y a des anciens. Donc je pense qu'il y a moyen franchement de le faire bien galérer. Alors le premier, on va commencer par un facile, je pense, l'ami Hypier. Alors il n'est pas de sexe féminin, en tout cas je ne crois pas. Il est youtubeur, il ne fait pas de vidéo avec. Ah, attends. Il est peut-être passé dans une ou deux Hypier, mais on va dire non. On va dire non, 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 je pense pas que ce soit. Il est peut-être passé sur scène, à Video City ou un truc comme ça. Je pense pas. Il fait partie du milieu de jeux vidéo. Il n'est pas arabe, par contre il a un lien avec la communauté Minecraftienne. Arrêtez avec ça, c'est pas possible. Il est apparu dans Skylef, ouais, tout à fait. Est-il un auteur de science-fiction? Non. Est-il un demi-elfe? Non. Non, ce n'est pas Super Brioche. Est-il connu depuis peu? Non. Est-il un chien virtuel nommé Fluffy? Non. A-t-il des enfants? Oui. Est-il professeur? Non, ce n'est pas un prof de maths. Est-il roi? Louis? Non. A-t-il été marié? Bah, je crois qu'il est marié à Hypier, oui. Tu penses à Hypier, bravo. Félicitations. Facile pour le début. Oui, bien joué, t'es super fort, 74 000 fois joué, ça va. Maintenant, on va passer à quelqu'un d'autre qui, là, je pense, est plus compliqué à trouver. On va tenter de lui faire deviner Magic Nup, le monteur de cette vidéo. Soyez en passant. On va tenter de lui faire deviner. Donc, il est youtubeur. Il est masculin, je crois qu'il est masculin. Il porte des lunettes, effectivement. Il n'a pas fait vidéo exclusive. Il n'a pas joué dans une série bizarre. Il a plus de 18 ans. Est-ce qu'il a un lien avec la communauté Minecraftienne? On va te dire que oui, mais il fait pas que ça. Hein. Mais bon, on va classer oui. Il en a fait en tout cas. C'est devenu la réponse officielle. C'est devenu la réponse officielle, hein, je crois. Très bien. C'est le nom de la Chine. Non. Rapport avec la nourriture. Non. C'était vidéo sur Pokémon Go. Je pense pas qu'il en ait fait. C'est le Québécois. Non. C'est participé à Top Gun. Non. C'était vidéo sur Celestia. Oui. Oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Je sais pas pourquoi j'ai eu un doute, mais oui, il est arrivé sur la fin, mais oui. De ça, je fais des vidéos de parcours sur Minecraft. Non, c'est souvent des crash tests. Non. Est-il en couple avec une femme? Oui. Est-il ami avec Super Brioche? Bah, ils se connaissent, quoi. On va dire probablement. Paraît-il dans la série SkyDef? Non. Est-il complètement chauve? Non, c'est pas Fanta. Est-il nymphomane? Ça, je sais pas, faut lui demander. Non, non, non. Est-il une phrase fétiche? Non. Oui, il a fait des vidéos sur Minecraft. Il porte des lunettes de vue. Il fait des vidéos sur Zelda, tout à fait. Merde! On me sort un de mes potes d'enfance en plus. Non, c'est pas Xef, mais c'était bien parti. Il y a de l'idée. Sort-il avec une brune? J'en sais rien, ne sais pas. A-t-il un numéro dans son pseudonyme? Non. A-t-il plus d'un million d'abonnés? Non. A-t-il un enfant? Non. A-t-il une tête de troll? Non. Est-il né en France? Je pense que oui. Est-il parti de la coop team? Non. Est-il en couple? Oui. Est-il des vidéos sur des jeux de gestion? Non. A-t-il des enfants? Non. Je vous dis, là, il va galérer. Il va galérer. Oui, il est blond. Enfin, il est châtain. Bah, je viens de te dire oui. A-t-il joué dans Gravity? Non. Est-il parti à Team Patrick? Non. Il va galérer. C'est sûr. Il fait des vidéos sur GTA. Est-il une moto? Non, je crois pas. Est-ce qu'il fait des vidéos sur GTA? Merde, je sais pas. Il fait des vidéos sur plein de trucs. Il a sûrement fait des vidéos sur GTA. Je suis pas sûr. Mais c'est pas grave. Est-il habillé avec une capuche? Non. T'aime-t-il par amour? Non. Combat-il des creepers? Ça lui est arrivé. Vit-il au Pakistan? Non. Possède-t-il un hoverboard? Je ne sais pas. Porte-t-il des lunettes rondes? Ou elles sont rondes? Je sais plus. A-t-il une moustache? Non. Il pense. Il était chez moi tout à l'heure. Il était chez moi tout à l'heure. Putain, mais j'aime bien. Mais il me sort des youtubeurs à lunettes. Et non, ce n'est pas Choose the Game. On continue, oui. Et on va l'avoir. On va l'avoir. Non, il est pas gras. Sinon, non, c'est pas Frigiel. Lido sur Garry's Mod. Je sais pas. Je crois pas qu'il en ait fait. Il est pas suisse. Il fait pas partie du jeu, non. Il habite en France, oui. Joue-t-il à Arma? Je ne crois pas. Est-il sur deux roues? Hein? Non? C'est parti du milieu du jeu vidéo? Bah oui. Est-il en rapport avec Versailles? Non? Si je m'y connais grâce à Internet, oui. Est-il en compagnie d'un char? D'un chat. Oh putain, je suis pas là. Non. Habite-t-il à Paris? Oui. Est-il des séries? Oui. Est-il très blond? On va dire oui. Combat-il des monstres? Oui. Est-il... Non. Est-il un nom en consonance? Non. Est-il la personne la plus jeune de son groupe? Quoi? Non. Des vidéos sur Pokémon? Non. C'est leur PVP faction? Non. Est-il européen? Oui. Est-il célébrité l'informatique? On va dire oui. Est-il les cheveux bruns? Bah non, je t'ai dit. Il est châtain. Un casque sur les oreilles? Oui. A-t-il beaucoup de cheveux? Bah il a des cheveux quoi. Bah probablement. Apparaît-il dans chaque épisode de sa série? Bah c'est un peu con sinon, oui. Porte-t-il la moustache? Bon alors on va dire oui, la moustache. Non mais il a pas fait piquer ce Patrick. Dortos. Alors là pour le coup je vois pas le rapport. Non. Oh! On l'a piégé. On l'a eu. On l'a eu. Alors,
Dorto, Splend, Alexandre Calvez. Il n'y est pas. Mon passage n'est pas dans la liste. Ah ah. Magic Nup. Voilà, magnifique. Ah, il y était. Il y était, il y était. Il est, c'est lui. Bravo, tu m'as posé une colle. Oh mon dieu, on lui a posé une colle. Ok, mais j'en ai d'autres qui pourraient le faire galérer. En tout cas, mission réussie, on a réussi à le coller. Alors maintenant on va partir sur l'ami un plus simple, Aurélien Sama. Il est youtubeur. C'est un garçon. Il n'est pas passé dans une vidéo Cyprien, il fait partie du milieu du jeu vidéo. Il y a un lien. Non, il est pas moi le bandit. Et oui, il est apparu dans Skydef, il n'a pas de rapport avec la nourriture, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de chien, il n'a pas de Pokémon. Vit-il à Doncaster? Je ne crois pas. Il a participé à Top Gun. Je sais pas s'il est en couple. Voilà, allez hop là, trouve-le-moi. Vas-y, trouve-le-moi. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, évidemment, sur les gros Aginator, là, il est là, hein, tu le sais. Mais sinon, hein, 16 000 fois. Voilà, en même temps, il y avait des chances qu'il le trouve. Là, c'était plus facile. Voilà, c'était pour lui faire reprendre confiance. Maintenant, on va passer sur un YouTuber connu, très connu, mais qui a arrêté. Enfin, qui a arrêté, puis qui est revenu, qui fait un peu des streams maintenant. On va partir sur Arc 111111. Oui, c'est un youtubeur. Ce n'est pas une fille. Il n'est pas passé dans une vidéo Cyprien. Il fait partie du milieu de jeux vidéo. Il a fait des vidéos sur Minecraft, mais on peut pas le considérer comme ça. C'est un let's player. Non, je peux pas dire ça. C'est un let's player. Est-il arabe? A-t-il les cheveux blonds? Non. Semble-t-il un chinois? Non. Joue-t-il principalement sur PC? Non. Est-il en couple avec une femme? Non. Vit-il avec ses parents? Non. Est-il vivant? Oui. Vit-il en Thaïlande? Non. Porte-t-il des lunettes? Oui. Si j'ai fait? Non. Est-il gros? Non. Ça, je fais des vidéos sur Pokémon Go? Non. Est-il en duo? Non. Fait-il de la stratégie Pokémon? Je ne crois pas. Est-il un frère jumeau? Je ne sais pas. A-t-il les cheveux bouclés? Non. On est en train de bien le faire galérer. Comique. Bah, c'est du gaming, mais il est très drôle dans ses vidéos. Mais c'est du gaming, donc on va dire non. Il a joué à Call of Duty? Non. Oui, collection des objets Nintendo. A-t-il un frère? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. On continue, oui. Est-il sur Super Mario Maker? Oh, je sais pas, probablement il a dû en faire. Grogne-t-il? Non. Habite-t-il dans la savane africaine? Mais what? Est-il... Oui, il est en numéro. Non, il n'a pas déjà chanté. Comment il décrit? Alors on va dire que oui, c'est lui arrivé. Non, pas de nourriture. Oui, il est suisse. Tu le tiens, tu le tiens, tu le tiens. Dragon Ball? Non. Oh putain. C'est pas possible, on y était. Est-il un pyro barbare? Non. Est-il plus d'1 million d'abonnés? Non. A-t-il les cheveux longs? Bah plus maintenant, mais il avait les cheveux longs. Bon, on va dire oui, vas-y. Oh, oh là là. Oh, il est allé le chercher celui-là. Il était mal parti. Hein. Il était mal parti. Oui, évidemment. 1400 fois Arc 111111. Magnifique. Par contre, j'ai pas vu, ça se trouve, il manquait un 1, je sais pas. Allez, du coup, j'en ai un petit dernier pour lui. Un dernier aussi, un peu le même genre. Rose Grimm, qui a arrêté depuis, évidemment. Rose Grimm. Il est youtubeur, c'est un garçon. Il fait des vidéos exprès. Non, il fait partie du milieu de jeux vidéo. Il a un lien avec la communauté Minecraft, très clairement. Non, il est pas. Enlevez-moi cette putain de réponse, c'est pas possible. Il travaillait pour la CIA. T'imagines Grimm pour la CIA? Paraît-il dans la série Skydef? Il a dû. Oui, il a fait des Skydef, oui, tout à fait. Il n'a pas un nom avec la nourriture, ce n'est pas Super Brioche, ce n'est pas un chien nommé Fluffy, il n'a pas d'enfant, il fait pas de vidéo sur Pokémon. A-t-il un numéro sans pseudonyme? Non. Est-il parti de la team Patrick? Non. Pas de cup. Patrick Cup, team Celestia? Oui, il fait partie de Celestia. A-t-il un cochon comme animal de compagnie? Non. Possède-t-il un animal? Non. A-t-il. Ah oh, merde, il l'a. C'est ça. En fait, Akinator, on le voit bien maintenant, on a l'habitude. Il a une phrase, tu sais, qui va le mettre sur la voie. Genre Aurélien, c'était les frites. Moi, c'était Blondie. Lui, c'est colocataire, c'est brioche, oui. A-t-il un rapport avec un aliment, donc? Colocataire, donc il sait que ça se joue entre brioche et Grimm. Donc maintenant, il essaie d'éliminer. Donc non, ce n'est pas une super brioche. Donc, il vit avec super brioche. Donc, c'est Rose Grimm. Voilà. Il n'y a pas de photo de Grimm? Ah, oh, belle touffe. Magnifique. Oui, c'est Rose Grimm. Bravo, joué 4500 fois. Bon, bah voilà. Je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on est bon. On a réussi à bien le piéger. N'hésitez pas en commentaire si vous revoulez d'autres vidéos sur Akinator. J'avais envie de refaire un petit peu encore certains copains. Si vous revoulez d'autres vidéos sur Akinator, n'hésitez pas déjà à laisser un gros pouce bleu, évidemment, hein, la famille, tout ça, tu le sais, toi-même. Mais surtout, n'hésitez pas à faire des propositions de gens que j'aurais. Alors évidemment, me dites pas Cyprien, tu vois. Me dites pas PewDiePie, parce que vous voyez qu'il trouve déjà Hyper et Auré, il les a trouvés en 2 secondes. Donc de la difficulté, mais qui a un rapport un peu avec la chaîne, tu vois. Me sort pas un inconnu que je connais pas, tu vois, sinon, enfin, on essaie quand même de tourner autour des potes, c'est ça qui est drôle. Donc, n'hésitez pas à faire des propositions ou quoi, ça pourrait être sympa, ou des gens de mon univers. J'attends, je suis preneur, hein, je suis fan de propositions. Du coup, je vous dis à très vite, c'était Sif, peut-être pour une prochaine vidéo sur Akinator, qui sait, on verra bien. Allez, ciao.